de la France par une très grande couleur, meilleure production, on revient vraiment dans le milieu naturel. Et aussi à travers la protection des ressources au sol par l'aménagement des bassins d'air. Lors de cette gestion, on se trouve confronté à des contraintes, parmi lesquelles je citerai la carence juridique. Le département des eaux et forêts ne dispose que de deux lois pour gérer ces zones humides, à savoir la réglementation sur la chasse et la réglementation sur la pêche continentale. Aussi, les moyens humains qui font des fois défaut, les agents de terrain se trouvent confrontés à prioriser les actions et des fois les zones humides et passent à côté. Il y a aussi la pluralité des départements sur ces zones humides. On trouve les départements d'agriculture, le département de l'eau, le département d'équipement, tourisme, l'aménagement du territoire, et pas oublier le département qui assure la gestion de ces territoires, et on se trouve à un problème de gouvernement. Donc, pour le Maroc, comme tous les pays, il a enregistré une perte importante de ces zones humides. Ces pertes sont liées, comme tout, à des moteurs classiques de changement et de dégradation pour la conversion de l'occupation. Donc, pour diverses occupations, c'est toujours sollicité, les zones humides sont sollicitées pour le tourisme, pour l'agriculture, comme ça a été déjà dit par le professeur, et donc j'en passerai. Et ces changements sont quantifiés par les changements climatiques. Ces dernières années, on a assisté à l'assèchement catégorique de certains plans d'eau et qui sont placés même sous un Ramsar au Maroc. Donc, c'est vraiment une perte très importante. Mise en œuvre par le plan focal Ramsar et le département des eaux et forêts en matière de gestion.
mesures pour minimiser les décisions qui sont vraiment anarchiques de part et d'autre et des politiques sectorielles. L'axe 3, il vise à développer les connaissances relatives aux zones humides et les mécanismes de leur partage. Donc, les objectifs prioritaires sont les suivants. Donc, mettre à la disposition des secteurs de gestion de l'espace et des ressources le savoir et le savoir-faire nécessaires à l'utilisation rationnelle des zones humides. Doter le pays d'un mécanisme national de développement et de partage de l'information sur les zones humides, c'est le système d'information dont je parlais tout à l'heure, qui sera alimenté conjointement par le département des eaux et forêts et notre allié GREPOM, qui nous aide beaucoup dans l'inventaire national et dans le rapport de l'information et les chercheurs et toute personne ayant accès à l'information. Intégrer de façon formelle les zones humides dans les formations d'ingénierie et de sciences sociales et de la nature. Promouvoir le développement des structures régionales de formation et de recherche. Et enfin, le dernier objectif de cet axe, c'est promouvoir des formations de protection de la nature au profit des acteurs de gestion des zones humides et de l'espace en général. L'axe 4 de cette stratégie vise à développer le dispositif de communication, éducation, sensibilisation et participation pour la conservation des zones humides. Donc, à travers la mise en place des instruments de ce dispositif adapté à différents publics cibles, donc à savoir les écoliers, les élus, les chefs, toute personne ayant accès à ces, les agriculteurs, les personnes ayant accès à ces zones humides. Renforcer le réseau des centres d'information au niveau des sites RAMSA à travers les sites d'information qu'on a sur tous les sites. Par exemple, le site de Sigourava, si vous avez déjà l'occasion d'y être, on a un centre d'information où on fait de l'éducation à l'environnement et pas mal de choses. Donc, développer des partenariats publics ONG autour de ce dispositif en faveur des zones humides. Parce que si on arrive à avoir une ONG qui assure la sensibilisation, qui fait de l'éducation à l'environnement, c'est déjà un gain pour ces zones humides. Développer des partenariats publics-privés en faveur des zones humides. Et enfin, développer le label ville des zones humides. C'est un rappeur RAMSA qui a adopté lors de la deuxième conférence RAMSA. Il y a certains endroits où c'est pas encore mis en place, mais à travers le monde, il y a des villes qui ont ce label RAMSA. Et j'espère qu'on aura des villes marocaines dotées de ce label. Le dernier axe, il vise à promouvoir la valorisation économique durable des services écosystémiques des zones humides. Donc, à travers la promotion de l'intégration des actions de valorisation des services écosystémiques dans les plans de gestion. Donc, si tous les plans de gestion visent la promotion de ces actions de valorisation, ça sera déjà vraiment un plus pour ces zones humides. Promouvoir les plans de valorisation des zones humides, notamment cette place RAMSA par le tourisme écologique, et promouvoir les métiers verts et les savoir-faire beaucoup développés en liaison avec les zones humides. Donc, les différents axes stratégiques de cette stratégie nationale avec leurs 17 objectifs spécifiques sont formulés à partir des besoins, l'analyse des besoins en matière de conservation des zones humides. Ces objectifs sont compris en 60 actions prioritaires conçues et formulées en concertation directe avec les différents acteurs impliqués dans la gestion de l'espace et des ressources humaines, ce qui a donné lieu à un plan d'action 2015-2024 pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Je ne voudrais pas entrer dans le détail pour les 60 actions, sinon je ne vais pas en finir. Mais en général, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a. On avait comme objectif de placer 36 points ça, préparer des plans d'action, ça a été fait pour certains sites, jusqu'à présent on a des sites. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. On est en train de chercher des partenariats avec les ONG pour suggérer certaines zones humides. Et donc, je pense que j'ai pu vous mettre dans le bain et de voir comment le département pense gérer ces zones humides.